Une chanson de Skip James qui était un bluesman aussi dans les années. Alors lui, il a deux périodes de sa carrière. Je raconte rapidement parce qu'on est là pour jouer, pas pour parler, mais quand même c'est intéressant. Il jouait dans les années 40, tout seul avec sa guitare acoustique, dans des petits endroits aux États-Unis. Il s'appelait Skip James. Et il y a une fois, dans un petit endroit où il jouait, une sorte de producteur de musique, on ne sait pas exactement, l'histoire ne le précise pas, qui lui dit « Super ta musique, est-ce que t'es d'accord que je t'enregistre ?» Puis Skip James il dit « Enregistrer ? Ouais, ouais, d'accord, volontiers, ouais, j'ai jamais enregistré jusqu'à présent. Est-ce que tu veux toucher les droits sur ta musique ou est-ce que tu préfères que je te donne 20$ tout de suite ?» Oh, Skip James, imaginez, il n'avait pas d'argent et tout. « Ouais, 20$, alors, oui, oh, super. » Il a enregistré les titres, vous pensez bien. Il n'a rien revu. Et après 4-5 années comme ça, mi-année 50, environ comme ça, Skip James, il s'est désintéressé de la musique. Il s'est dit, c'est pas mon truc, on se moque de moi, c'est bon. Et il est devenu une sorte de curé, on ne sait pas exactement. Et il est réapparu dans les années 60 dans un festival vers Newport. Et là, il avait une voix incroyable, tout perché. Il jouait un jeu de guitare difficile à retranscrire, vraiment incroyable. Et là, il y a un autre producteur de musique qui vient vers lui à la fin du spectacle, vous pensez bien. Il dit, oh, c'est super, est-ce que je peux vous enregistrer? Puis Skip James dit, oui, oui, oui. Vous voulez toucher de l'argent tout de suite, je peux vous donner 200$. La même histoire que 15 ans avant. Et là, Skip James, il dit, non, non, j'aimerais toucher les droits. Il enregistre les mêmes titres, parce qu'il était malin. Il avait enregistré les mêmes. Donc si vous allez acheter, vous pouvez trouver les versions des années 40 et quelques et les versions des années 60. C'est les mêmes titres. Et il est tombé malade, Skip James. Il n'a pas touché d'argent. Mais heureusement pour lui, en Angleterre, Eric Clapton avec son groupe de l'époque, début du blues en Angleterre, il a repris un titre de Skip James qui lui a permis de se faire soigner puis de jouer encore. Voilà. Et le titre qu'on va vous jouer s'appelle Washington DC Hospital et c'est justement la chanson qu'il a écrite pour les infirmières qui l'ont bien soigné à l'hôpital, voilà. Et pour retranscrire la voix incroyable de Skip James, je fous la pression, hein. Pierre Alain va vous faire au mieux, vous verrez cette voix, je sais pas où il la trouve, mais voilà. Je vous ferai signe quand c'est, ne vous inquiétez pas. Thank you.
How's a good man? And how's a poor man?